Plus de 150 000 visiteurs en un an, c'est le chiffre du jour. 7 juillet 2015, 7 juillet 2016, le Memorial Act souffle sa première bougie. Après des débuts plutôt polémiques, le public guadeloupéen semble au rendez-vous. Alors nous sommes à 155 837 visiteurs hier soir à 19h. Les profils sont, oui, caribéens, sont guadeloupéens. D'abord, on a une grande majorité de guadeloupéens qui sont là, qui nous sont déjà fidèles, et environ près de 60% de notre fréquentation. Et puis le reste, ce sont, oui, des touristes, alors ceux des croisières, bien sûr, il y en a, et puis les touristes que l'on voit de la saison touristique de novembre à mai, et puis maintenant encore des personnes de passage, des Antillais qui vivent à Paris et qui se dépêchent de venir au Memorial Act. Donc un grand succès parce que oui, la diversité des publics, qui est un de nos objectifs, est une réalité maintenant. Certains viennent pour la première fois en famille. Nous sommes venus aujourd'hui parce que nous avions l'intention de venir en fin de semaine. Et hier soir, au journal télévisé, nous avons vu que c'était les 1 an du Memorial Act. Donc nous avons changé de programme, on a décidé de venir aujourd'hui afin de visiter ce beau mémorial et puis d'apprendre plein de choses à toute la famille et à moi également, parce que je pense que j'ai énormément de choses à apprendre de ce mémorial. Tout à fait. Moi je suis venu avec les enfants aujourd'hui, avec mes 2 enfants, et je trouve que c'est une part de notre histoire et qu'ils doivent eux aussi découvrir, et moi également, quoi. Leur montrer un petit peu comment c'était avant et d'où ils viennent, leur culture. D'autres, Guadeloupéens de passage, profitent de leur séjour pour visiter ce musée d'art et d'histoire. Je suis en vacances. Je suis Guadeloupéenne, mais je vis en Martinique. Et je suis très émue. Je vois que c'est vraiment très bien fait. C'est très, très, très beau. Et ça donne beaucoup d'émotions. C'est un musée très, très, très beau. Très grand. Voilà, je ne m'y attendais pas du tout. Et c'est une fierté hein, d'avoir ça dans la Caraïbe. Et d'autant plus que j'ai vu les différents drapeaux des différents pays de la Caraïbe, si je ne me trompe pas. Donc vraiment, je suis très content d'être là. Mais pour tous, un seul mot, émotion. Pour cette première visite, cela m'a beaucoup touchée. Parce que ce n'est pas ça que je m'attendais. Je ne m'attendais pas. C'est la première fois. C'est la première fois que je viens ici. Chose étonnante. De ce que j'ai vu, je trouve que c'est vraiment... Ça nous indique ce que ces gens-là ont vécu pendant leurs dernières années. Il y a aussi comment les gens vivaient. Ça m'a beaucoup touchée. Exposition Marquise Glissant, spectacle et théâtre, le MACT culturel continuera à partager en 2017 avec son public la diversité culturelle caribéenne et guadeloupéenne.